Les rababous, c'était les pauvres du quartier, car le quartier était très pauvre. Les gens allaient nettoyer les forêts de la bourgeoisie au Gautheron. Et puis pour ne pas être reconnu quand ils rentraient avec leur grand fagot de bois récupéré, ils mettaient un carton de chaussures sur la figure. Et tout le monde savait qui c'était. Et puis c'est comme ça que c'est un rababou, le voleur de bois. En patois, il roba le bois, il vole le bois. C'est venu de là, le voleur de bois, les rababous. C'est pas autre chose. En général, le personnage qu'on montre quand on trouve quelque chose à sujet, c'est un personnage qui est toujours victime. C'est quelqu'un qui aimerait faire du bien, mais qui fait du mal. Ou bien, en essayant de faire le mal, qu'essayer de faire du bien. Ça, c'est difficile. En général, ce sera toujours un personnage qui a voulu essayer de faire quelque chose de bien, mais qui n'a peut-être certainement pas réussi à le faire bien. Et puis, qui continue toujours à essayer de le faire bien, mais qui le fait toujours plus mal. À la sortie, il faudra le tourner, hein. Ouais. Côté bras. Ouais. Vous avez la porte, hein. Bonjour. Dis-moi, ça joue. On est bon. On est bon. Doucement. Attention, doucement, doucement. C'est bon, on est bon. C'est bon. Hop. On te tire par les bras. Attention. C'est bon? Là, c'est tout. Oui, tu peux craser. Miro! Et puis ceux du quartier n'aimaient pas ceux d'en haut.
Sedan venait seulement quand il allait pour s'amuser. Alors c'était les envahisseurs. On les appelait les minés d'en haut. Alors on tabassait ceux qui étaient d'en haut qu'on ne connaissait pas. Quand ils venaient avec les bancs dans lesquels on mettait du papier mâché ou bien des pommes de terre, on les tabassait à coups de bas, n'est-ce pas? C'était les minés d'en haut. Moi j'aimais bien cette expression, les minés. Ou puis il y a eu les poussettes. Dans les vieilles poussettes, quand il y avait un minet d'en haut, notable, on tâchait de le ramasser dans les poussettes et puis on le conduisait dans un bistrot où il devait payer la tournée. Puis quand il avait payé dans un bistrot, on le conduisait dans un autre bistrot, pour payer encore une fois la tournée. Bon, je me souviens une fois, les gamins d'en bas, Ils avaient massacré le syndic, vous ne direz pas lequel, parce qu'il vit encore. Il était descendu, je crois, par la Neuville, et puis il avait été matraqué à coup de bas, n'est-ce pas? Parce qu'il ne le connaissait pas. Puis le lendemain, on m'a dit, oh, ils ont même matraqué le syndic. Puis j'ai dit au gamin, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il ne fallait pas le matraquer le syndic. Mais on ne le connaît pas, il ne vient jamais chez nous. Il a dit, c'est un miné d'en haut. Dans le bâtiment scolaire, on avait 300 écoliers. Maintenant, il y en a, je crois, 70 à 80, c'est tout. Alors, ces écoliers avaient l'esprit d'amusement que demandaient à Hubert, dans l'immeuble où Hubert est né, il y avait 70 gamins. Ils dormaient pas tous chez eux le soir. Ils dormaient là où ils se trouvaient. Ils mangeaient là où ils se trouvaient. Bon, on ne rentrait pas pour dîner. Si on était chez Hubert, on dînait avec ceux qui étaient là. On allait chez les voisins. On couchait chez les voisins. Au lieu de rentrer, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de recherche à la police pour savoir qui était devenu le gamin, qui n'était pas venu dormir. Mais c'est un esprit spécial, ça. L'esprit d'entraide, de cohésion. Comme tout le monde était pauvre, même chose. Tout le monde s'aidait le mieux possible. C'est né comme ça. Et c'est pour ça que cet esprit, il est incrusté dans les cailloux, dans les pierres des immeubles. Et ça restera. C'est le criminel, le coupable de tous les maux. Alors, c'est la sentence, on le met à mort. C'est la mise à mort du coupable de tous les maux du quartier et de la ville.